Go, c'est parti les amis, Karmine Corp Team Secret. Troisième match de ces championnats du monde, de ces Worlds. Et ça démarre directement avec Vatira qui va aller au contact. Rice qui trouve un petit pinch là, ça va rebondir sur la gouttière. Cette balle elle est bien dérangeante pour les adversaires. Ato qui a un skin dégueulasse, mais ça lui permet de nous faire de la dinguerie. On prend frère, on en a besoin. Et t'es calé là ou pas? J'ai l'impression que je suis à peu près bon. J'ai l'impression que je suis à 4-35, 4-34, 33, 2, 1. C'est bon, carré. Ah, magnifique. Allez, Vatira pour la remontée de balle là. Il a un duel. Ato qui va suivre. Il va la toucher, revenir en défense. À Rice de gagner son duel et il va le gagner. Ça va sur le backboard. C'est clear, Vatira. Qui s'envole, qui la remet directement. Ça fait des goal à goal là. Ça fait des goal à goal. Le temps de prendre ses marques, de s'installer dans ce match. Attention, gros duel à venir. Attention, c'est bien suivi, Vatira. Sur la ligne, qui va faire l'arrêt. Et là, il doit remonter la balle. Il a un duel. Il va le gagner. Brad King. Il va bloquer au milieu de terrain. Mota, attention à tout. Là, il a une balle dangereuse. Ah, la démo, elle nous a tués. Allez, faut bien rentrer dans les matchs, les gars. Là, une petite démo au milieu de terrain. On n'avait plus de boost. Ah, vous avez pas le son de jeu. Attendez, faut que j'augmente alors. Désolé. Bon, comme ça. J'ai pas fait gaffe, les gars. Tous mes sens sont éveillés frère, au maximum. Allez, c'est pas grave, y'a rien. À peine une minute, petite action dans leur partie du terrain. Ouais, c'est intercepté bien sûr. Petit Ato qui va se retourner. Oh, petit fake challenge là. Petit fake tout court en fait, il va refake en dessous. Il va passer en dessous, il va se faire rush par le deuxième joueur. Parce qu'il avait éliminé le premier, la frappe de Rice direct. Allez, arrêtez, Vatira qui va jaillir. C'est Mota au milieu de terrain. Ato qui va la mettre devant. Ouais, ça c'est des petites touches mais ça rend un peu, ça va, on perd pas trop le contrôle du ballon, on est premier, Vatira qui s'envole, c'est Ato qui va pouvoir faire cette deuxième touche. Ouais, on est dans leur corner, ouais, Amota maintenant de jouer contre Ato, très très bon 50, il est très à notre avantage. Okay. Allez, c'est but pour Rice. Let's go. Ah, il a eu un rebond de fou, il savait plus quoi faire le défenseur. Ah, je peux que penser à Thiago Mota les gars, Non mais ils se sont parlé sur la stratégie là, ça fait des démolitions au milieu de terrain mais ça suffit pas les gars, il faut défendre aussi en même temps. La prod, mais même le jeu il a bugué tellement on savait pas trop ce qui allait se passer. Rice qui avait plus qu'à pousser le ballon et il l'a fait. Allez, Vatira sur le corner en deux temps, dommage. Oh, dommage. Ça va sur le poteau. Brad King qui se rate un peu là. Ça lui fait faire une action un peu bizarre où il a pas de boost, y a pas grand chose qui se passe. Ato il est là, malheureusement ça va taper très fort pour KV. KV qui envoie bien loin, Vatira qui va contrôler, va envoyer un missile depuis le ceiling. Direction le backboard, mais c'est défendu. Ato. La frappe directe d'Ato! Magnifique! La frappe directe d'Ato, même nous on était spectateurs! On regardait juste cette balle flotter dans les cages! Bao! Gros missile, et là Brad King qui essaye, mais trop tard. Là je me régale. Magnifique, c'est bien. Allez, parfait, là on rentre bien dans notre journée. On va avoir besoin de beaucoup de force aujourd'hui. Donc faut se mettre en confiance dès le début. Hein. Pas de doute dans le jeu. Allez, Ato, ça va dans le corner, ça va être pour. KV qui va faire une passe au middle pour Brad King. Attention à la double tape. Oh, l'arrêt! L'arrêt pinché de la part de Rice! C'est le pinch d'op! Magnifique. Il l'a fait celui-là, incroyable! C'est bon vieux d'op. Attention à Mota là. Ouais, parqué sur un double flip reset sous contrôle. Va tirer un flip reset. On joue le bump pour Rice. Dommage cette balle qui va s'arrêter juste devant les cages. Ato qui va suivre. Il va se faire bump un peu par Rice sur son retour défensif. Mais il va aller pouvoir chercher son 50. Sur la contre-attaque, Rice, il surgit. Ouais, c'était un ballon irrécupérable dans tous les cas. Donc là, on a le Rice des grands jours là. Ah, oui, là, il saute sur toutes les balles, il casse les couilles à tout le monde. Allez, Vatira. Vatira garde le contrôle de ce ballon. Oh, dommage. Personne pour finir, malheureusement. Rice en deux temps là, le wall read qui est bon. Vatira qui va attendre. Hein. Il va lire le jeu. Il va comprendre qu'il n'y avait pas grand chose à faire. On a l'information qu'il n'y a pas de boost, mais lui il l'a pas. Donc il préfère respecter, on sait jamais. Et Vatira qui va faire l'arrêt. Très bel arrêt. Attention à KV là. Pas grand chose à faire de cette balle pour eux. Vatira qui va 50, ça va au milieu de terrain, ça va sur Brad King. Backboard, Rice qui va clear. Il va essayer de l'accompagner, mais c'est pas possible. Vatira sur le backboard adversaire défendu par KV. Il va la retoucher, Vatira, c'est magnifique. Ato qui va surgir maintenant, la frappe. C'est bloqué par Mota. Et attention défensivement, là il n'y a plus que Rice. Il va prendre son temps, il va gagner son duel, même s'il s'est fait bump. Il plus trop de boost en face. Parce qu'il était parti pour le bump et c'était une des meilleures opérations possibles avec la double tape. Double tape comme Ato. Non, dommage, ça passe juste à côté. Ato peut-être. Non. Qui va continuer. Rice qui passe au-dessus. Il va prendre son reset avec le ceiling. L'arrêt. Il va la finir. Non, l'arrêt encore. Il pouvait pas faire mieux, frère.
Kandu mort. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Kandu mort pour Ryze. On peut pas faire plus là. Attention, cette balle qui flotte, c'est double tap. Heureusement, c'est raté. Heureusement, c'est raté. On avait quelqu'un en cage, mais c'est très difficile d'arrêter cette balle. Attention, Mota. C'est bloqué par Ato. Brad King qui va suivre. C'est à Ryze maintenant d'y aller. Il va la laisser plutôt pour Vatira qui va envoyer un missile devant. Dommage, c'est pas cadré. La fake sur la double tap. L'arrivée de Ryze. On va tenter un bump peut-être. Il va bloquer la sortie du ballon. Ouais, Jamel, on est agressif aujourd'hui. C'est un peu rendu dans le corner là-dessus. On va quand même continuer d'envoyer des petites agressions. Ryze, on voit ça comme des balles de pistolet. On a des balles dans le chargeur, vous inquiétez pas. À la chaîne, on s'arrête jamais. Et là, on repart cette fois-ci pour une agression assez dangereuse. Allez, sur elle des munitions d'Ato au milieu de terrain, mais il n'y a personne dans les cages pour l'instant. Elle est pas cadrée. Va direct tenter un petit pinch pour faire une passe pour Ryze. Ouais. On va trouver une back pass maintenant pour Ato. Attention aux démolitions. Là, ils se jettent en face. Ils savent, ils ont plus que 14 secondes. La frappe directe, elle va pas être cadrée. Ryze qui va la pop et qui va la suivre. Y a plus trop de ressources, ça va être compliqué. Non, on a pas 5 secondes. Faut mettre cette balle au sol dans 3 secondes pour terminer ce match. Ryze qui est pas gêné, c'est terminé. Et bon, 1-0. C'est terminé, c'est 1-0. Il y a eu un petit F, désolé les gars. Possible de régler le problème de cam ou j'envoie un message. Micro crash, thank you. C'est rien passé pendant le crash, les gars. Stressant mais au calme. Non, en vrai ça va, c'était en contrôle. C'était en contrôle. On est bouillant là. Ouais, là c'est bien, là on est agressif. On se crée. Là on est dangereux, frère, on est dangereux. Rien de pire qui peut arriver à une équipe de Rocket League de pas créer de danger, frère. De juste attendre les erreurs des adversaires. Là non, on les pousse. Ah non, on n'attend rien, ça y va, hein. Ça se lance. Hein. Et c'est ce qu'on aime voir en fait, hein. C'est le jeu qu'on aime voir, c'est comme ça qu'on aime voir la K-Corp. Donc ça me régale. Pour l'instant, on joue le jeu qu'on sait jouer et on l'aime. On l'aime, frère. On l'aime ce jeu. Il faut s'aimer. Là pour le coup, en vrai, ils ont fait quand même des arrêts. Là, il y a eu une... Ah. Il s'est fait... Il s'est fait grave. Le film, mais c'est... Ah, c'est bon, il est là. C'est assez propre. Il s'est fait démo, frère. Kenny, tu m'entends? Ouais. Oh, je sais pas, ça a coupé en plein milieu de ta phrase, mais là, c'est bon. Ça fait plaisir. Ok, pas mal le kick-off. Tout le monde a fake. Attention à Mota, là. Bon, il peut pas faire grand-chose normalement. Ato, mais il y a KV qui va arriver à fond. Ryze qui va la dégager. Ato qui va essayer de suivre avec Ryze, là. Il va tirer sur le côté opposé, il a récupéré le mid-boost. Il va pouvoir se retourner, l'envoyer loin devant. KV qui va bloquer. Mota qui va suivre. Mota contre Ato, le duel à venir. C'est remporté par Mota. Ryze sur le backboard qui va faire l'arrêt. Il va aller jouer son 50 derrière. C'est bien. Et là, Vatira, il a le champ libre. Vatira, il a le champ libre. Il va prendre un flip reset. Dommage, c'est bloqué par Mota. Ato qui retourne. Moi, Kamel aussi. Il passe au-dessus. La passe est bonne. Dommage. On n'a pas commit là-dessus. On essaie d'envoyer là pour le coup, mais on a beaucoup de ballons rendus de la part de Team Secret, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ils ont l'habitude de nous envoyer tellement des balles puissantes qu'ils nous rendent juste le contrôle. Très bonne frappe. Anticipé. Ouais, il y a un petit double commis qui avait quelqu'un sur le backboard, c'était impossible que ça rentre. Allez, Ato, il va fake, il va passer. La passe est magnifique. C'est un peu trop puissante, Ryze, s'y attendait pas. Vatira qui va trouver un petit là-dessus. C'était difficile à anticiper quoi. Ouais, sur le backboard, Ryze la double tape, c'est contest. Eh non, bien sûr. Ato qui se fait dunk là malheureusement, ça peut avancer. Vatira ! Oh dommage ! Avec le flip reset là, il voulait trouver une petite double tape avec un angle très compliqué dont il a le secret et du coup on va se faire punir. Et on va encaisser le premier but de cette deuxième manche. Il y a une démo en plus. Ato aurait peut-être dû y aller un peu plus tôt sur le porteur du ballon. Ce duel, Vatira à peine en retard malheureusement. Ouais, tranquille. On a de bonnes punir opportunités. De l'over-agression, c'est bien, c'est bien, ça veut dire qu'on joue. On a une pas certaine peur domination quand même. Ouais. Et Ato, loin devant pour Vatira. La redirect, il y a Ryze qui arrive derrière. Il va la mettre sur le backboard. S'il était contest. Oh, le tir malheureusement est passé un petit peu à côté. Ouais. Ryze qui va passer par-dessus. Je sais pas s'il avait quelqu'un dans les cages ou quoi, il voulait la mettre sur le backboard absolument. Il ouais, l'a mise ça, bien haute, je pense que c'est ça. Hein. Allez, Ato. Dommage. Ouais, Ato qui a rien, il a tenté, il a bien raison. Là, on a deux joueurs en défense sur une action agressive de la part de Team Secret. C'est à Ryze de prendre ses responsabilités, il le fait. Il prend du terrain, il va avoir un deuxième duel à jouer qu'il va gagner sur le backboard. Brad King.
Brad King et Kenny qui disparaît au même moment. Vatira devant. Attention à la contre-attaque là. Il y a Rice, c'est bon, c'est tranquille. Rice qui va s'envoler, il va essayer peut-être de trouver un pinch là. Ouais, c'est bien. Quelques petites touches avec le ceiling. Il va retomber. Dunk sur l'adversaire. Allez, attention. 2 minutes 40. Le temps, il passe grave vite. Ato en deux temps. Rice qui s'envole. Pas très haut, mais s'envole quand même. Vatira qui va avoir un duel important là au milieu de terrain. Il va largement le remporter. C'est suivi par Rice. C'est bloqué par Mota. Il y a Ato qui va y aller du coup. Il a une frappe, un missile. Oui, inarrêtable. Kenny, ça va? Vous entendiez plus les autres, mais du coup, le même Discord, il m'entend plus. Ah, ok. C'est ça qui se passe. En fait, c'est trop marrant parce qu'on dirait des fois, tu te fais aspirer, genre. Bah ouais, c'est ça. Allez, on y va, la team. C'est bien, on a égalisé, 2 minutes 17, il y a largement le temps. On va aller même chercher le break. Ato qui va essayer de trouver un flip reset, là, il est bloqué par KV. Rice contre Brad King. Rice qui va bloquer, va se retourner. Oh là, on a le temps, on est bien revenu en défense. Il va tirer sur le backboard. C'est défendu, il va pouvoir se retourner. Ato, il va aller jouer son duel, il pourra pas. Mota était plus rapide. Mota qui va gagner son deuxième duel, il n'y a plus que Rice au cage. Il va faire l'arrêt tranquille, cut cette passe. Va tirer. Il va récupérer le boost et là, il va pouvoir toucher cette balle. Il va pas être trop dangereux là, la double tape. Ouais, ça sur va le backboard, passer, c'est bien une passe. Rice qui s'envole, il va jouer le 50, la double tape et c'est pour Vatira derrière. Quelle touche! Quelle touche magnifique! Alors là, quelle non, mais, finition! La passe de Rice, s'il vous plaît, de Rice! Et la finition derrière. Non, mais tout est beau, tout est magnifique. Que du pré-flip. Le pré-flip gang est ravi aujourd'hui. Parfait, les gars. On prend le lead. 2-1. Mettons ce break. Brad King, reste tranquille, par pitié. Laisse-nous tranquille. C'est à moi juste d'être tranquille. On cherche la tranquillité au final. C'est exactement allez, Ato. Dommage, c'est bloqué par Brad King. Vatira au milieu de terrain qui va envoyer loin devant sur le backboard. Davy qui va le défendre. Vatira qui va se retourner. Il va le renvoyer sur le backboard. Il y a Mota. Mais c'est bien parce que la balle est ralentie dans leur camp. Mota qui avance. Il est bloqué par Rice au milieu de terrain. Il va rejoindre un deuxième 50. Rice, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut gagner ce duel? Vatira, il pourra pas la suivre. Et Ato qui était trop loin pour enchaîner. Allez, Rice devant. Ato qui s'envole. Il est contesté par Brad King, Rice qui va y retourner. Il est premier sur le ballon. Il ne peut pas y aller. Il y a Mota devant les cages. Ato qui va la pop juste pour gêner. Et il va back derrière. Ouais. Brad King qui s'envole. Rice, telle une fusée qui vient l'en empêcher de continuer ce ballon. Allez, Ato. Est-ce qu'il peut aller contesté? Non, Mota qui s'envole avec le ceiling. Ça peut être dangereux, ça. Ça peut être très dangereux. Il va tirer sur le backboard qui va défendre. 35 secondes, tranquillou. 35 secondes. Non, ouais, gestion. Faut, tant que le ballon n'est pas au sol à 0 secondes, on n'est pas rassuré encore. Ouais, mais ça va, non, gestion. Après, c'est Rocket League, ça peut aller très vite. Attention, il y a une démo là, justement. Ouais, bah, fallait jouer ma gueule, frère. Non, gestion, frère. Non, gestion. Quelle horreur. Ah, la démo, elle nous a tué. Hein. Ouais, là, ouais, Vatira, parce qu'il était trop bien, il avait récupéré le boost. Il allait défendre. Full boost. Là, normalement, c'est défense plus contre-attaque. Cram, désolé, c'est pour moi celui-là, les gars. C'est pour moi celui-là. Égalisation, 18 secondes, c'est maintenant qu'il faut jouer. De toute façon, on a KV qui est premier, la démolition. Et bien sûr, Rice, je crois. Non, il a démoli KV1, donc on est premier. On est premier pour l'instant, on est 3. Ils sont 2. Ça va pas passer, c'est bien défendu. Allez, Ato, la frappe directe. Avec la démo, on voit rien. Mais eux, ils voient malheureusement. Attention, Rice qui va la mettre loin devant. Ils vont la jouer, ils vont la garder en vie, mais c'est pour nous ça. Oh, dommage. Après, ça les a fake, hein, Ouais, mais on pourra pas finir du coup. Ouais, c'est fini. Overtime. Okay. Overtime. Allez, c'est pas grave, juste un but à mettre. Et c'est réglé, ce kick-off. Il faut pas que ça se passe mal sur cette introduction. Allez, Rice. Rise. Il est tout seul sur la balle. Il va trouver une passe magnifique pour. Ah ça, c'est le tir. Oh, elle a été flashée. Wow, c'est un retrait de permis. Quelle passe! Incroyable. Mais quel missile, frère! Le sourire de Ferra, il est solaire, c'est céleste, c'est divin! On a mis le but. J'ai vu la cam de Rice. Il est à foule en dessus. Il a un bien, calme. Hey, j'ai vu, il faisait que gesticuler. Oh, le missile! Ah, il a fait son match, hein. 722 points, 3 passes D. Ah, ouais. Quel arrêt. On veut revoir. Ah non, il est parti en full trash talking.
T'as bien raison. Pas mal. Mieux. Ouais. Ça mieux, c'était pas mieux. Mal ça. C'est voilà. Bien, là, tu vois. J'aime bien l'énergie. Et là regarde sur le. Ah non, c'est pas maintenant. Bon plus ça met le but. Ça pas ouf en vrai. C'est là. Et là. J'ai vu la caméra, j'ai vu que des. Calme, frère. Allez, on y va. 2-0, one more. On valide ce BO. Après, on passe en 2-1. Prochain match sera qualificatif. Allez, c'est parti. Pour la suite de cette compétition. Opening allez, de ce match, de ce troisième match. Ça commence comme ça. De toute façon, on a commencé tous les matchs avec un but encaissé. Bon, celui-là, c'est. Confort zone. 0-1, 4 minutes 58, oh, confort zone. Ah, dommage. Attends, il a tout donné pour essayer de la rattraper. Terrible, c'est pas grave. Ça arrive. C'était pas loin en plus. Chikikov donne aux mers, tranquille. On va le prendre avec le sourire, c'est pas grave. Allez, Rise s'envole. Oh, pas mal, dommage, ça passe juste à côté. Au kick-off, là, il aurait pu renvoyer directement. Atto, il va trouver un flip raisé. Il va passer en dessous, Atto, dommage. C'était très close. Il a failli éliminer les trois joueurs là-dessus. Ok, Atto, en deux temps. Ado, dommage, Mota, ils sont tous les trois dans les cages. Vatira qui revient à la charge. On va retrouver une passe là dans l'axe pour Rise. Oh, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les assassiner. Je regarde que la cam de Rise quand il met un but, c'est exceptionnel. Ah non, là, on voulait vite faire passer un message dans ce match. Que ce premier but était anecdotique pour eux et que ça allait pas être aussi simple. Allez, on y va, la team. Brad King, c'est pour Atto. Hein. C'est pour Atto. Il va être contest bientôt. KV qui attend. C'est bien, il trouve un deuxième contest. Vatira, le 50. Non, c'est Mota qui va passer. Mota qui va se rater là, tant mieux pour nous. Rise, il va prendre un flip reset. Il est bloqué par Brad King. Attends sur la défense. Atto, il a tout le temps du monde. Il va aller récupérer le boost, se retourner. Analyser le jeu, il va passer un joueur et il va aller jouer un deuxième 50. Oula, attention cette démo. C'est bon, il n'y a personne pour suivre, heureusement. Rise. En deux temps. Dommage. On peut pas. Justement, on venait de se faire démo, on venait de remonter la balle. On n'était pas encore en place, offensivement parlant. Cette touche est un peu hasardeuse. Tant mieux, hein. Rise. Et Rise encore. Ah, aujourd'hui. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, il marche sur l'eau, frère. Je sais pas quoi l'expression, ça. Elle n'existe pas, je crois. Oh, je. Ouais, il flotte, quoi. Si elle existe, c'est ça. Oh, let's go. Okay, my bad. Attention, Brad King va tirer le retour défensif. On était dans la merde, hein. C'était le dernier défenseur et il était pas en défense. Il est arrivé de dos. Atto, Rise qui s'envole. La frappe directe à Brad King. Va pouvoir faire l'arrêt normalement sans trop de problèmes. Ça fait une passe, une triple passe. Ouais, c'est magnifique quand même. Cette remontée de balle. Après, il ne peut pas en faire grand chose. Rise, deuxième encore. Récupération de reset, ouais. Dommage. Atto qui s'envole. Atto qui a un duel là contre Mota. La double tape comme Atto, dommage. Il y a Vatira qui va venir finir. Ils sont éteints. On les a tués. Allez, c'est les gars. Là, faut appuyer. Là. Voilà, c'est une leçon de rythme de jeu. Voilà, dès qu'on met un coup d'accélérateur, il n'y a plus rien en face, ils n'arrivent pas à suivre. Il y a un défenseur pour 3 balles qui vont rentrer dans tes cages. Et au moment, ça rentre forcément. Bah, exactement. Allez, Vatira. Off un peu atypique. C'est Mota qui va avoir la balle là, le champ libre aussi. Rice qui va cut, magnifique. Vatira qui va se retourner. Et il y a Rice qui va venir. Non, oh, dommage, il n'y avait pas d'angle. Très close. Ok, un tout petit peu de vitesse pour finir directement. Parce que mais tu vois, que... je pense que Rise, même lui, il était pas sûr qu'il rentre, mais il a quand même sauté. Ça et prouve c'est comme que voilà, on est bien. C'est on ça qu'il bien. Faut, frère, je te jure, c'est ça qu'il faut. Ok, milieu de terrain, Rise qui intercepte instantanément. Sur le backboard, le il nous la rentre. Les gars. Atto. On est bien. Attention, Brad King, il y a le champ libre là devant lui, mais il a pas de boost, il va aller récupérer notre back boost. C'est bon, on va tirer à la récupérer et le ballon juste derrière. KV qui va se retourner, il va passer Rise, mais Rise va aller le bousculer, c'est... le déranger. Non, malheureusement, là, il est full boost, on va devoir jouer une défense à Atto qui prend la bonne opération pendant le moment de faiblesse de KV.
Ato qui va se retourner là-dessus, il va passer au-dessus de Brad King. Il va peut-être essayer de trouver un pinch, non, il va la laisser à Ryze, il avait plus de ressources. Ryze qui est à zéro aussi, le Vatira qui va arriver maintenant. On a volé le boost. Avec des bouts de ficelle en termes de boost. Oh, c'est magnifique, Ryze. C'est magnifique ça, ce genre de petits détails, ce genre de petites actions. Donc on garde le contrôle, qu'on se fait pas contre-attaquer. Ça permet à Vatira et Ato de respirer derrière. Vatira va se faire bloquer par Brad King, il n'y avait pas assez de vitesse là. Contrôle de la part d'Ato. Wave dash, bien, ça, c'est un peu rendu. Avance. Bien ça. On a un bon setup là. On a un bon setup, dommage, c'est bloqué. Il y a l'arrivée de Ryze derrière. Dommage. Un peu haute, malheureusement. Ouais. Ça force le flip, c'est très bien sur le fake challenge. Et ouais, là malheureusement ils ont compris, ils commencent à jouer un petit peu plus lentement, à prendre leur temps, sauf que là Mota, t'as pas de boost en fait, donc voilà, tu peux rien faire. C'est un peu échec et mat là sur le terrain, ils ont pas encore pu créer le danger chez nous, tant mieux. Il reste 1 minute 20, le break est toujours fait. Ato qui trouve un petit pinch là. Mota qui va contrôler et c'est Vatira qui va lui sauter dessus directement. Dommage, il peut pas enchaîner sur un deuxième bump. Ato va perdre son duel là-bas. Ryze qui va temporiser au milieu de terrain, trouver un petit pinch. Remporter son duel, pop la balle, c'est magnifique, il fait tout, il fait tout. Vatira derrière à la finition, mais c'est arrêté. Allez, on y va. Ato, la passe peut-être. On va faire une passe, dangereux. Dangereux, dangereux. KIV qui repart dans le corner face à Vatira, il prend un reset, ça sera quand même touché et défendu par Ato derrière. La passe pour Ryze, c'est contrôlé. On va se faire bloquer par Mota malheureusement, parce que remporter ce duel, c'était quasiment but. 33 secondes. Première offensive là de Team Secret. Oh, elle est dangereuse. C'est bon, il y a Vatira. Oh, c'est bloqué par KV. Il va essayer de retomber dessus et ça va faire but. Ok. Et ça va faire but. Ok. À la fin, il y avait tous les ingrédients réunis là. Le décalage pour Brad King. Même si je pense qu'au début, il voulait finir solo. Double méfiance. Ouais, tranquille, tranquille. Le break était fait, le break était là pour ça. Je vais pas prendre de kick-off. C'est parce que Brad King il est bien placé, mais Ryze va lui sauter dessus. Allez, Vatira. C'est Vatira qui a sauté, ouais, il va gagner son duel. Il a eu le temps d'analyser la courbe. Et là, c'est open, hein. Bah, 7 après, elle est loin la balle. Allez, Ryze en deux temps, dommage. Oh là là. Et pas d'angle, et attention à la contre-attaque là. On n'a pas trop commit. Je vois pas la position de nos joueurs au sol et yes, c'est fait. Let's go, let's go. 3-0. Ah. Tranquillement. Le petit régal. Très bien joué, très très bien joué. En maîtrise. Par contre, j'ai toujours pas de cam, moi.